Florian Oui, tout à Siniki, sur la fait. multiplication potentielle de contestations au final. Il faut évidemment, pour l'Élysée, rapidement tourner la page. C'est évidemment l'objectif de cette séquence. Et chaque déplacement doit accélérer le fait de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre à la fois politique et d'image pour le président de la République. Le plus dur, et on l'oublie souvent en politique, c'est pas de perdre le pouvoir, contrairement à ce que l'on imagine spontanément. C'est d'abord de perdre le contact avec ceux qui vous ont confié ce pouvoir. Et donc l'enjeu ici, c'est que Emmanuel Macron démontre à ses électeurs qu'il n'a pas perdu le contact avec la réalité du terrain. Mais Emmanuel Macron, c'est un président qui fera jusqu'à la fin de son mandat, comme ceux qui lui succéderont, face à une violence qui est désormais inhérente au débat politique. On voit bien que ceux qui prétendent aujourd'hui lutter pour se faire entendre du président de la République sont les mêmes qui refusent d'écouter le discours du président de la République ou le fond de sa pensée.